Bonjour. Alors, c'est une première. J'espère que j'aurai le temps. Ceux qui me connaissent savent que je suis très occupée. Je vais vous faire les messages de l'univers par vidéo, avec bien sûr toujours l'astrologie. Vous trouverez toujours mes billets sur mon blog ou sur Facebook ou Insta. Mais par contre, nous allons regarder un petit peu comment va se passer cette première journée de mars. Nous sommes dans la finalité du cycle astrologie de mars à mars. C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée du soleil en bélier. Alors, je me suis appuyée tout d'abord avec mon oracle. Ceux qui me connaissent savent que c'est l'oracle symbolique du marc de café. Et nous allons voir la tendance de la journée dans sa globalité. Et je m'appuierai d'autres oracles, des messages des anges, d'autres messages pour amener un petit peu plus de, comment dirais-je, de messages célestes. Et nous allons voir ce qu'on a à nous dire. Alors, je vais faire une généralité, mais bien sûr, je vais regarder par signe astrologique et ascendant, vous le savez. Ceux qui me suivent tous les mois sur YouTube connaissent le mode de fonctionnement. Alors, la tendance du jour, c'est le dragon. Le dragon, ça amène cette rigueur, cette dureté, cette froideur. Donc, vous voyez, malgré les températures printanières, on n'est pas encore arrivé au printemps. Il y a une notion de dureté, de discipline. Donc, c'est une journée où on n'est pas obligatoirement, on va pas avoir obligatoirement la possibilité de se détendre, ou en tout cas, ça va être une journée qui va amener une dureté, ou en tout cas, beaucoup de travail. On peut être dans une phase à dénouer un souci, un problème, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous invite à le faire, à régler ce problème. Alors, je vais regarder au niveau professionnel, si ça concerne surtout le professionnel, ça peut concerner des difficiles. Il faut savoir quand même que le dragon, ce sont aussi des personnes qui ont un côté très autoritaire. Donc aujourd'hui, vous pouvez être amené à affronter votre patron, un associé un peu autoritaire, un membre de la famille, votre compagnon, votre compagne, quelqu'un qui en tout cas a une notion pour vous d'autorité. Mais ça peut être aussi une confrontation avec les impôts, un courrier administratif qui vous rappelle à l'ordre. L'autorité représente aussi la loi et comment dirais-je, le gouvernement, donc tout ce qui concerne les amendes, tout ce qui est fiscalité, en tout cas publique. Au niveau professionnel, nous avons le chien. Le chien représente l'aide, l'appui, la fraternité, le coup de main. Donc nous allons avoir quelque chose qui est très, très intéressant, c'est que malgré la dureté, nous avons une notion d'amitié et d'aide. Donc de toute façon, quel que soit votre problème, vous aurez quand même une main tendue ou quelqu'un qui va vous appuyer. Peut-être devrez-vous affronter un patron, peut-être pour un licenciement, vous aurez besoin d'être accompagné. De toute façon, on a cette notion, même si vous avez affaire à quelqu'un, parce que c'est pas parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est autoritaire qu'il ne vous apprécie pas. Donc là, on a quand même une notion plutôt très positive d'amitié, de reconnaissance d'une certaine manière, en tout cas de quelqu'un qui vous apprécie de toute façon. Donc c'est une journée en demi-teinte, partagée entre le côté amitié, aide, fraternité, quelqu'un qui va peut-être être présent, un ami, quelqu'un que vous aimez beaucoup qui va vous donner des nouvelles, et cette notion de dureté qui est un peu moins fraternelle, mais qui est là quand même. Au niveau sentimental, c'est la pensée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la lune est en balance, elle est dans une quête d'harmonie, de bonheur. La balance, elle ne sait pas vivre seule, donc elle a besoin d'être accompagnée.
Et aujourd'hui, elle fait un très beau trigone à Saturne, à Mercure et à Jupiter. Donc la pensée représente tout à fait ça. On rêve à l'amour, on rêve à quelque chose d'idyllique, mais attention, avec le dragon dessus, on est peut-être heurté par quelque chose, une certaine froideur d'un partenaire, de quelqu'un avec qui on est en échange. Et c'est vrai qu'on aspire à quelque chose de beaucoup plus doux. Alors, c'est pas parce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles ou n'est pas très présente qu'elle ne pense pas pour autant à vous. Il y a une notion, il y a le chien à côté, donc on a quand même une notion de bienveillance. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes ou qui a ce mode de fonctionnement. Vous savez, il y a des personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, qui ne savent pas donner des nouvelles, envoyer des textos. Quand ils ont des problèmes, ils s'enferment sur eux-mêmes. Bon, j'en fais un peu partie quand même, hein, donc je comprends. Mais en tout cas, on est dans notre rêverie amoureuse. On aspire à un équilibre, à une harmonie. On est complètement en harmonie. En tout cas, l'oracle est en harmonie avec, avec la Lune actuellement, de la manière dont elle est aspectée. Au niveau de la santé, c'est l'écureuil qui représente quand même beaucoup plus ce qui est financier. Il représente, comment dirais-je, comment on appelle celle, on est en train de faire des réserves pour l'hiver, alors qu'on arrive bientôt au printemps. Donc c'est quand même un passage là où il faut faire très attention au niveau du poids, parce qu'on est en train de plutôt de stocker. Donc vous avez le dragon qui est en train de vous dire, va falloir être beaucoup plus rigoureux, faire très attention à ce que vous êtes en train de manger, parce que vous êtes en train de stocker, c'est le cas de le dire. Donc, on a envie, avec la pensée à côté, on a envie plutôt de douceur donc et de réconfort. Donc, effectivement, c'est peut-être une problématique alimentaire dont on nous parle. Attention à tout ce que l'on en emmagasine, peut-être à des excès même de médicaments. Donc, soyez vigilants. J'ai l'impression que la journée n'est pas si mauvaise que ça. C'est vrai qu'elle est sur une connotation un peu froide quand même et de rigueur, mais dans l'ensemble, on a quand même du réconfort dans la journée où on voit que on est accompagné, on est aussi, même si amoureusement, on n'est pas complètement satisfait, on n'est pas non plus avec quelqu'un qui n'a pas de sentiment du tout. C'est pas du tout le cas. Donc voilà pour l'oracle, pour la tendance de la journée. On va regarder ce que disent les autres oracles et ensuite je regarderai pour chacun de vos signes. Alors, le chaos. C'est vrai que j'aime beaucoup cet oracle. Alors, il nous parle de détermination. Vous voyez, le dragon représente cette détermination. Ça, il y a toujours quand vous avez le dragon, le côté bélier, le côté capricorne, vous voyez, fermé, qui peut être têtu, obstiné et déterminé. Donc, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Je vous le montre. C'est la résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Vous voyez, la journée est quand même très marquée sur cette dureté où on nous demande quand même d'être déterminé et ferme, d'affronter peut-être certains problèmes. On a vu avec l'oracle symbolique du marc de café qu'il y avait le chien qui était il y avait une notion d'aide de toute façon. Et si on regarde dans une globalité, l'écureuil amenait, si c'était professionnellement et financièrement, il y avait un apport financier. C'est vrai qu'on est plus dans le, comment dirais-je, on n'est pas dans la dépense, on est plutôt en train de faire des économies ou en tout cas de faire des, comment, un bas de laine, vous voyez, on essaye de faire des économies, on essaye de mettre de l'argent de côté parce qu'effectivement on est dans cette froideur, cette difficulté. On nous parle de mise à l'épreuve de caractère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un problème un peu de confrontation avec l'autorité, donc certains vont vivre ce genre de choses. Donc voilà. Voilà pour l'oracle du Tao qui redit à peu près la même chose. On va regarder avec un des oracles que j'ai qui parle d'intuition. Il nous dit debout,
tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous voyez, on parle encore d'efforts. On est quand même dans une journée où il va falloir y aller, faire des efforts avec cette rigueur, cette détermination à avancer, à régler. De toute façon, je l'ai expliqué dans ma guidance que j'ai fait avec Stella sur la pleine lune qu'on vient de vivre, hein, qui s'est terminée hier. La lune est en train de se vider, là, elle est en balance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas arrêter les efforts. On est dans une phase de nettoyage et de purification. Donc, on a 14 jours avant la nouvelle lune, le 13 mars, qui va être en poisson, qui va être la nouvelle lune idéale pour faire ses vœux. Parce que le poisson, c'est le rêve. Et là, nos vœux, ce sont des rêves qu'on attend qu'ils soient réalisés. Donc, on a besoin de préparer le terrain avant de planter une graine. Donc, on est dans cette phase où, effectivement, on a des efforts à faire pour se libérer de certains problèmes, pour régler des soucis administratifs, pour payer des dettes, pour, voilà, 14 jours de nettoyage, à la fois matériel, mais à la fois spirituel, psychologique. Libérez-vous. Faites même des rituels. Sur mon blog, vous tapez à rituel magique, vous avez des rituels de nettoyage, de purification. Donc, pour que vous puissions avancer, ce qui est intéressant, c'est que debout, c'est un cheval, et ce cheval, il est empreint de liberté. Donc, c'est vrai que on est quand même dans une période très particulière avec confinement, pas confinement, couvre-feu, c'est très compliqué, on est quand même dans une restriction de liberté. Et là, on nous dit, il y a un petit effort à donner et bientôt, c'est la liberté. De toute façon, si on a affaire au cheval, le cheval, symboliquement, n'est pas fait pour être domestiqué, c'est un animal qui est sauvage et qui a besoin de cette liberté de courir, de vivre, de respirer. Il n'est que soumis. Par volonté. Mais fondamentalement, c'est un libre, c'est un indépendant, donc on se prépare quand même à une rébellion et une volonté de cette liberté à retrouver. Voilà pour cette journée, donc on va être quand même très... moi, je vais être très aux aguets des événements. Je vais clôturer ce tirage général. Donc, il est bien évident... qu'en priorité, les gens, bien sûr, qui vont écouter cette vidéo et qui seront venus spontanément, sont certainement en vibration identique à la mienne. En tout cas, nous sommes sur les mêmes fréquences. Donc, c'est vrai que nombre de personnes qui écoutent mes vidéos se retrouvent dans ce que j'explique. Mais c'est normal. Ceux qui ne sont pas là, ben, sont certainement pas sur la même vibration que moi. Donc, effectivement, nous n'aurons pas les mêmes messages de guide, de messager. Alors, le message des anges, c'est la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin de vous-même et des autres, et d'autrui. Alors, c'est vrai que lorsque l'on dit, ça représente un peu ce que je vous expliquais, on est dans une pensée, tout à l'heure, c'est ce qui ressortait dans l'oracle symbolique du marc de café. On est dans quelque chose un peu d'insatisfaisant, mais peut-être votre prise de conscience va apprendre que on ne peut pas, quand on est avec quelqu'un sentimentalement, on ne peut pas lui demander d'être comme nous. Soit vous êtes avec quelqu'un et vous comprenez ce qu'il est ou ce qu'elle est et vous acceptez, mais si ça vous heurte, ça vous fait du mal, il faut passer à autre chose. C'est que, effectivement, les travers ou le mode de fonctionnement, les comportements ne vous conviennent pas. Une fois que vous les aurez exprimés, si vous n'êtes pas écouté ni entendu, c'est que l'autre n'a pas de possibilité ou qu'il n'est pas dans la même envie que vous. Et là, il faut avancer. On ne peut pas se mettre dans une attente stérile et qui fait blocage à votre vie. Donc, on est dans cette époque, dans une époque très importante. On peut être avec quelqu'un au départ qui ne nous convient pas ou qui a des travers difficiles et qui s'améliore. Celui qui croit que les gens ne changent pas se trompe. On ne change que si on veut bien changer. Donc ça, vous ne pouvez rien faire. C'est l'autre qui doit se dire, il a raison ou elle a raison. J'ai envie de sauver cette histoire.
et je vais m'améliorer, je vais faire des efforts. Et là, on est encore dans l'effort. Donc, effectivement, on est dans cette phase-là. On vous dit de suivre votre intuition. Si vous sentez que cette personne a un potentiel, c'est pas pareil, l'intuition et les sentiments que vous ressentez, hein. Il faut aller au-delà des sentiments. C'est avoir ce discernement très important qui ne met pas les sentiments en jeu. C'est très important. Je vais clôturer ce tirage général avec le message des fées. Et je vais vous regarder avec l'oracle symbolique de Marc de Café pour chaque signe. Ah, c'est la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà le message de la journée. Effectivement, je vous ai bien expliqué, hein, tout à l'heure, nous avions le dragon qui représente pas que, mais qui représente le Capricorne et le Bélier. Et là, nous tombons sur la fée du Capricorne qui nous dit d'être ambitieux et de voir les choses en grand. Donc, effectivement, il faut remonter les manches, il faut y aller. Il faut avoir foi en soi. Et de toute façon, il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas. Pourquoi certains obtiennent et nous, on ne devrait pas obtenir? Ça, c'est faux. C'est un problème de confiance en soi. Donc, c'est un travail à faire aussi de façon très importante et d'avoir les ambitions de ses envies, de ses désirs. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles pour le bélier et les ascendants béliers. C'est l'anneau. Alors c'est très amusant parce que il faut savoir qu'aujourd'hui la lune est en balance, qu'elle est le signe complémentaire du bélier, et donc elle se positionne dans sa maison 7, et qui est la maison du couple. Et là, nous avons le mariage. Donc aujourd'hui, indépendamment de ce que je viens de vous expliquer, qui est d'une généralité et qui peut vous correspondre aussi, aujourd'hui, ce qui va vous perturber ou vous rendre heureux d'ailleurs, c'est le couple. Ça va être un des questionnements ou une des problématiques. Peut-être êtes-vous trop autoritaire, peut-être êtes-vous avec quelqu'un de trop autoritaire. Alors, bien sûr, je répète, ce message s'adresse au bélier et ascendant bélier. En tout cas, c'est au niveau du couple qu'il va falloir faire un travail. Alors, j'ai envie de vous donner un petit message des fées. C'est la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense à tes blessures et prépare ta guérison. Je trouve que c'est un très joli message. C'est vrai que peut-être vous êtes avec quelqu'un de très autoritaire. Pardonner ne veut pas dire rester, à mon sens. On peut pardonner à quelqu'un parce que quand l'autre nous trompe, on s'est trompé aussi. On n'est pas avec quelqu'un au hasard. Donc peut-être faut-il pour vous que vous passiez au-delà de certaines choses. Peut-être vous séparer de quelqu'un qui ne vous convient pas, qui n'a pas été très gentil avec vous, peut-être trop autoritaire. Ça n'a pas empêché de toute façon les sentiments, c'est juste quelqu'un qui peut-être vous a mal aimé. En tout cas, on en est là. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le mariage représente aussi les associations. Donc ça peut être aussi des associations professionnelles ou collaborations où on est avec quelqu'un qui est quand même très exigeant, très autoritaire. Ça n'empêche pas l'amitié, mais il suffit de l'exprimer ou de demander à l'autre de fonctionner différemment et certainement de le pardonner. Taureau et ascendant taureau, que nous dit les oracles? Alors, sachant que toujours actuellement, nous avons Mars en taureau qui finit sa course, hein, il est sur le dernier des camps, le bout, ceux qui sont presque gémeaux et qui vont donc les booster, et Uranus qui est toujours en taureau sur la première maison. Alors, c'est très intéressant. Les taureaux ascendant taureau ont les fleurs. Les fleurs représentent un peu la pensée. C'est la réalisation d'un vœu. C'est les espoirs. On est quand même, aujourd'hui pour vous, c'est une journée de printemps. On est dans quelque chose, comment dirais-je, de rose, de rosé. On est dans la bonne humeur. La lune est en balance, elle n'est pas hyper, elle n'est pas vraiment en harmonie, mais c'est une vénusienne comme vous. Donc elle amène du plaisir, un moment agréable. On est dans quelque chose de très harmonieux, très affectif. Souvent, les fleurs représentent la réalisation d'un vœu amoureux. On est plutôt dans cette phase-là. Vous pouvez avoir des surprises. Les fleurs amènent des réalisations brutales, inespérées. Donc, sachez quand même, effectivement, que Mars, qui amène quand même une poussée très importante à l'action, ou en tout cas une passion très importante, va toucher les derniers des camps.
Et Uranus va toucher, amène cette soudaineté, les premiers décans. Donc voilà pour les taureaux et les ascendants taureaux. Je vais vous donner un petit message des fées. Ben c'est Morgane aussi. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes plaies, tes blessures, pardon, et prépare ta guérison. C'est la même message que les béliers. Donc, vous devez être dans une période, mais enfin, bon, avec les fleurs, on est justement dans cette volonté d'amour, de bien-être, de plaisir. Donc, c'est une journée plutôt sous de bons auspices. Pour les gémeaux et les ascendants gémeaux, bon, le gémeau, c'est le nœud lunaire qui est en eux. Donc, ils sont dans une période très karmique, ils sont dans des phases de résolution de beaucoup de choses. En plus, Jupiter et Saturne est en très bon aspect avec eux. Donc, ils leur amènent quand même des concrétisations, des restructurations de vie. On repart sur de nouvelles bases. Et là, super, c'est la couronne. Donc, c'est la réussite. On est dans une phase de réalisation. Aujourd'hui, certainement, vous allez avoir une très bonne nouvelle ou vous avez dû régler un problème. Aujourd'hui, vous avez la solution. En tout cas, aujourd'hui, c'est la résolution d'un souci. Vous êtes sur une avancée. En tout cas, on est dans une progression intéressante. En tout cas, on est sur la bonne voie. La réussite fait, réussite d'un procès, réussite d'un souci que l'on avait, demande de prêt qui est accordée. Enfin, vous avez quelque chose de global, même y compris sentimentalement, vous êtes dans une période où vous avez la réussite sur tout ce que vous voulez. Ça, c'est pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et que nous dit le. Oula, ben, il y en a un qui est tombé, je vais regarder. J'espère que ce n'est pas encore Morgane. Non, c'est la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc, si vous aviez quelqu'un qui vous plaît, auquel vous pensez, on revient à la pensée de tout à l'heure, il faut faire attention parce que les Gémeaux, ascendant Gémeaux, sont beaucoup plus dans le mental que dans la concrétisation. Donc, c'est peut-être le moment d'y aller et de vivre pleinement votre passion plutôt que de continuer à rêver à votre amour. J'ai connu beaucoup de Gémeaux qui ne concrétisaient jamais, mais qui se plaisaient à rêver à l'amour et à penser à l'autre, à se faire des films et à ne jamais réaliser ce film. C'est quand même dommage. Donc, sortez du rêve et il est temps d'avancer. Vous avez les cartes en main, il y a réussite totale, donc que demande le peuple. Pour le cancer, c'est le chameau. Alors, le chameau. Je le dis souvent, c'est une notion de mouvement. On est en déplacement aujourd'hui, on peut avoir des tracas de véhicules aussi. Il faut faire très attention où on amène sa voiture au garage. On est très en harmonie avec le taureau qui est là pour vous et qui est un signe ami. Donc on est dans une période de déplacement, de mouvement et de tout ce qui est lié au transport. Par contre, il faut savoir quand même que c'est un animal très résistant qui marche dans le désert et que vous êtes peut-être dans une période difficile, mais vous avez cette résistance. En tout cas, vous êtes dans une période où il y a un mouvement. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont s'enclencher comme s'il y avait une notion de déblocage. Alors, on n'est pas dans quelque chose d'hyper rapide, mais par contre, aujourd'hui, il y a des choses qui avancent. On a un déblocage d'une situation qui était un peu bloquée parce qu'on est quand même dans un désert, donc c'est-à-dire qu'on est dans une période, une traversée difficile pour les cancers et ascendants cancers, mais quelque chose s'ouvre là aujourd'hui. Il y a une visibilité d'avenir ou en tout cas un déplacement qui va être intéressant et fructueux pour vous. Alors, le message des fées pour les cancers et ascendants cancers. Je fais n'importe quoi. Ah ben voilà, c'est Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voyez, elle parle quand même de sagesse et de courage. Et c'est un peu ce que je vous disais. C'est que vous avez beaucoup de courage. Vous êtes résistant. Vous êtes dans une période un peu difficile. Mais vous avez cette intuition. En plus, cancer et ascendant cancer, ce sont des gens très intuitifs. Donc, continuez votre chemin, ne vous arrêtez pas. Au contraire, aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Donc, voyez ce qui se passe aujourd'hui, si vous avez des nouvelles, quelque chose qui se passe particulièrement qui va vous permettre d'avancer. Alors, pour les lions et ascendant lion, eh ben voilà.
Alors, lorsque vous avez un symbole qui ressort, là vous avez le lion, c'est qu'on est complètement aligné avec soi. On est en harmonie avec soi, c'est-à-dire que le lion, c'est le courage, la force, c'est le rayonnement. Vous êtes dans aujourd'hui, c'est votre personnalité qui va être mise en avant, vous allez être mis en lumière, vous allez être vous-même à 150%, ascendant lion aussi. Donc, on est dans quelque chose de très rayonnant, d'autoritaire aussi, hein, parce que les lions sont assez autoritaires. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous allez beaucoup bosser, mais c'est vous quoi. Vous allez être, c'est une journée qui est à votre image, donc qui est plutôt pour moi positive, puisque à partir du moment où elle correspond, elle bouge, elle porte ses fruits, on va de l'avant. Il y a rien à dire, on est plutôt dans quelque chose de très favorable. Alors, j'en ai deux qui sont sorties, je vais vous les dire toutes les deux. C'est la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieuses alliées qui te conduira sur le chemin de tes rêves. Alors c'est vrai que j'ai pas dit que les lions n'étaient pas n'avaient pas de sentiments, mais par contre, quand ils sont dans cette phase très lion où c'est leur ego qui est en avant, ils sont individualistes. Peut-être ils manquent un peu de sentiments vis-à-vis des autres et ça peut être eux les autoritaires d'ailleurs. Donc, il va falloir écouter aussi l'autre, mettre un peu, arrondir les angles et pas être un lion rugissant comme vous pouvez l'être. Et c'est la fée de la Vierge. Alors, c'est marrant hein, parce que vous êtes, le lion, c'est entre le cancer et la Vierge, mais on a ces deux fées qui sont là. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Les lions sont rarement désorganisés. Donc, on est dans une journée très dragon, très lion, où on est carré. On mène les choses de main de maître. Voilà pour les lions et ascendant lion. Nous allons voir pour la Vierge. Et ça me concerne parce que je suis Vierge. Ah, super. C'est les escaliers. Les escaliers, c'est une ouverture à beaucoup de choses. C'est l'évolution. C'est une croissance. Aujourd'hui, on a des portes qui s'ouvrent. C'est surtout ça. Donc, voyez ce qui va se passer aujourd'hui. Mais en tout cas, on est dans une évolution. On est dans une ascension. Donc, des choses qui se concrétisent, on avance vers. Alors, c'est une journée spirituelle aussi, d'après ce que je vois. Donc, on est, pour les vierges et ascendants vierges, c'est une journée où, par exemple, ceux qui ont des activités professionnelles, vous pouvez faire une demande de promotion, c'est le jour idéal. Vous pouvez l'obtenir aussi aujourd'hui. On est dans cette évolution que l'on veut. C'est l'avancée de nos projets qui sont là, avec une porte ouverte sur la lumière. Donc, on est dans une période de progression. C'est très intéressant. C'est l'augmentation. Donc, augmentation financière, augmentation de ses revenus. On est dans quelque chose qui va vers le haut. Donc, c'est plutôt pas mal. Que nous dit le message? L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc, ça ne me concerne pas en tant que vierge, mais par contre, effectivement, si certaines vierges ont perdu leurs illusions, voyez, entre les escaliers, je vous ai parlé tout à l'heure de spiritualité et c'est ce que vous dit l'appel des fées. Reconnecte-toi, il y a une reconnexion. La vierge, quand même, a un côté très spirituel si elle le veut bien. Elle peut être hyper connectée. Et là, aujourd'hui, c'est une reconnexion qu'on vous demande de prier, de méditer, de vous reconnecter et d'écouter les messages et de continuer l'évolution, de pas s'arrêter. La balance et ascendant balance, bien entendu. Ça va de soi. Donc, elle est la balance. La lune est positionnée dans la balance aujourd'hui. Donc, elle va exacerber sa nature de retrouver l'équilibre, de trouver l'amour, l'harmonie. Donc, voilà, elle, c'est les fleurs. Les fleurs tout à l'heure, comme je ne sais plus quel signe, mais en tout cas, ce sont les fleurs. On est dans cette phase. Ah oui, c'était comme le taureau d'ailleurs, qui est vénusien aussi. Donc, on est dans cette phase d'harmonie, de réalisation, de beauté. C'est le meilleur moment, alors, d'aller se faire faire. D'aller chez le coiffeur, d'aller se faire faire de faire un spa, de faire un massage, d'acheter des vêtements. On est dans le côté plaisir et beauté. On a envie d'être bien avec soi-même. Donc, c'est une journée pour les balances et ascendant balance qui est plutôt
en corrélation avec leur signe, et la lune leur amène quand même des concrétisations très intéressantes au niveau affectif, au niveau relationnel. Ce sont des gens qui, même professionnellement, usent de leur charme, c'est leur nature, ils sont des gens charmants. Donc on est quand même dans la réalisation de ce que l'on veut. C'est plutôt, et on use de ce charme pour pouvoir avoir cette réalisation. Donc c'est une journée très intéressante, plutôt positive. Que nous dit le message des fées? Ben c'est Morgane aussi. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Donc c'est la volonté des balances. Pensée plaît et prépare ta guérison. Voilà le message des balances. Nous attaquons le scorpion et ascendant scorpion, c'est la tortue. Donc c'est une journée où vous aurez l'impression, alors la tortue c'est soit je reste à la maison, j'ai pas envie de bouger, je suis dans un enfermement peut-être même psychologique, donc c'est une période où on est un peu déprimé, dépressif, on n'est pas bien, voilà, c'est une notion, il y a une notion de lenteur, une journée où il n'y a rien qui avance comme on veut. Ça ira mieux demain, la lune rentre en scorpion. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt du cocooning. Voilà, on est un peu mélancolique, tristouné. C'est pas le top, on n'est pas au top. Donc, la tortue, voilà, c'est là une phase de blocage aujourd'hui. À la limite, j'ai presque envie de vous dire de rester couché, quoi. Donc, on va voir ce que disent quand même les fées. J'espère qu'ils seront plus positifs que ce que je viens de vous dire. Mais bon, c'est pas négatif. Il suffit d'accepter et de vivre au rythme. Parfois, quand il y a des jours où on dit « j'aurais mieux fait de rester couché, quoi ». La dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, c'est marrant que ce soit la dame blanche parce qu'il faut savoir quand même que le scorpion est le symbole des morts. Donc, elle vous dit quand même, peut-être aujourd'hui, effectivement, c'est une mélancolie. Il faut savoir quand même, la tortue représente les personnes âgées. Donc, peut-être pensez-vous à quelqu'un que vous avez perdu, qui vous perturbe. Donc, c'est possible. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, ça c'est pour moi aussi. Ah ben, c'est le diable. C'est le djinn, exactement. Alors, c'est le djinn, il faut... C'est plusieurs choses. En tout cas, c'est sexualité. Journée très très haute, super. C'est une journée où on va avoir quand même des soucis au niveau professionnel, financier. Il faut faire attention. Il peut y avoir des trahisons. C'est des révélations de trahison. C'est aussi des infidélités révélées. Le djinn, c'est quand même très excessif. C'est occulte aussi. Il faut faire très attention aux malveillances, aux choses négatives, aux énergies négatives. C'est quand même pas mal de choses qui sont un peu ennuyeuses avec l'opposition du nœud nord. C'est peut-être quelque chose de karmique que vous devez régler. Karmique qui veut dire soit passé, soit autre, soit passé d'une autre vie. Mais en tout cas, faites attention pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, c'est une journée de dépenses financières. Enfin, on ne rentre pas de l'argent, on est quand même dans un truc... un peu glauque, un peu compliqué, ça peut amener des conflits, c'est voilà, c'est pas la joie, c'est pas le truc super sympa, quoi. Alors, que nous dit l'oracle des fées? Ben, c'est Morgane aussi. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. C'est vrai que le djinn, donc symboliquement le diable, ça peut être un moment où vous êtes très en colère contre quelque chose ou une rumination d'un passé ou d'une trahison justement, et elle vous dit de pardonner. Donc faites attention à ce que vous découvrez aujourd'hui, ça peut vous faire beaucoup de peine, mais ça fait partie de la vie. Il vaut mieux laisser aller et pas s'enfermer. Ce qui est fait de toute façon, donc mieux vaut lâcher, on n'est pas obligé de continuer à côtoyer des gens qui nous ont trahis. Capricorne et ascendant Capricorne. Ah ben c'est super, c'est l'aigle. Alors l'aigle, c'est le symbole de l'élévation. Ce sont des gens très visionnaires, donc c'est une journée où franchement, bon, on est un peu haut et on ne voit pas trop ce qui se passe en bas, mais en tout cas on est dans une période d'épanouissement total.
Ça peut être une période de voyage aussi, voyage par l'air, donc par les avions. Ça peut être quelque chose que l'on prépare, hein. Vous pouvez aussi préparer un voyage. C'est pas parce qu'il y a le, on ne voyage pas aujourd'hui, mais on peut préparer un voyage, en tout cas qui vous amène des perspectives. Ce n'est pas un voyage de plaisir, c'est un voyage qui amène des perspectives à venir. Donc on est dans cette visualisation d'avenir. Aujourd'hui, on œuvre là-dedans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le dragon, c'est le capricorne. Ce sont des gens qui savent remonter les manches et travailler dur. Donc, on est dans ce truc-là. Mais en tout cas, on ne travaille pas pour rien. Et on travaille peut-être avec des gens amis ou des gens qui vont nous donner des coups de main. Alors, c'est l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Les capricornes sont quand même des gens qui sont pas toujours... qui n'ont pas toujours morale, quoi, qui sont peut-être souvent tristounés, qui sont tellement dans certaines rigueurs qu'ils oublient de la légèreté que leur donne le comment dirais-je que nous donne l'aigle. L'aigle, il amène cette légèreté qui parfois, c'est pas parce qu'on est de temps en temps léger qu'on va perdre le fil ou qu'on ne va pas continuer à évoluer. Ils ont du mal à être un peu légers. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande aujourd'hui, de mettre un peu de légèreté. Le Verseau, super, c'est les blés. Aujourd'hui, c'est une journée financière. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes en train de planter des graines de nouveaux projets, soit c'est la récolte. Ça serait bien que ça soit la récolte. En principe, les blés, c'est de l'argent qui arrive. On est dans des rentrées financières. Bon, bien sûr, lune en balance extraordinaire, donc qui vous aide. En plus, elle est entrée en harmonie avec Jupiter qui est dans votre signe. En harmonie avec Saturne, en harmonie avec Mercure. Donc, on est dans une période de récolte, de contrats fructueux, par exemple, d'argent. Si on a demandé un crédit, c'est le jour où on va recevoir les crédits. Enfin, on est dans une période plutôt marquée par l'argent et par les projets qui vont fonctionner. Donc, aujourd'hui, c'est un très bon jour pour mettre en route vos projets. Alors, que nous dit les fées? C'est les esprits des racines. Alors, c'est marrant, ça. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Moi, j'ai envie presque de dire planter des graines. Donc, ça représente un peu ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est le jour de mettre en route vos projets. C'est une journée où les projets que vous mettrez en route aujourd'hui fonctionneront pour les Verseaux et ascendant Verseaux. Je vais clôturer avec nos amis poissons, de qui c'est l'anniversaire. Encore, hein, puisqu'on n'est pas encore dans le bélier. Aïe, c'est le dragon. Alors c'est vrai que donc beaucoup de poissons vont se retrouver dans le premier tirage que j'ai donné. Ils vivent de la dureté. Il faut savoir que le poisson, c'est tout sauf la dureté. Mais par contre, ce sont des gens qui ont tendance à se laisser vivre, à attendre. Là, on vous dit quand même d'être beaucoup plus déterminé, d'avancer, de sortir de cette contemplation, parce que c'est leur truc de prendre des décisions peut-être très importantes et qui vous conviendront pas, mais par contre qui vont porter leurs fruits par la suite. Donc il va falloir que vous soyez beaucoup plus rigoureux. Le poisson, c'est tout sauf la rigueur, hein, il faut le savoir. Donc ce sont des artistes, ce sont des gens qui aiment rêver, qui aiment patienter, attendre. Ils se laissent vivre. Donc là, il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est le cas de dire. Non, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. En tout cas, vous risquez, dans tous les cas, ça c'est le conseil que je vous donne, de prendre les choses en main, mais vous risquez d'être dans une journée où effectivement, vous allez trouver les choses dures avec vous, on va vous affronter, peut-être vous aurez des problèmes d'autorité avec un père, une mère, un patron, quelqu'un qui va vous heurter, qui va vous heurter dans votre sensibilité. Donc ça peut être un peu difficile aujourd'hui. Essayez de lâcher, mais peut-être que ce qu'on vous reproche n'est pas tout à fait faux et c'est ce qui vous perturbe. Donc entendez et faites ce qu'il faut faire pour que vous retrouviez l'harmonie. Alors, les fées nous disent, c'est l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Alors, il ne faut pas... si vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu difficile et qui vous remet les pieds sur terre... Alors, ce qui est insupportable pour les poissons et ascendant poisson, ne perdez pas votre côté magique parce que c'est ça aussi qui fera que dans pas longtemps, la prochaine nouvelle lune est en poisson, elle va amener cette magie. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'être dans la magie. C'est ce que disait la pleine lune de la Vierge et
du poisson, c'est qu'il faut aussi avoir ce côté discernement de ce qui peut se réaliser. Donc, cessez de rêver à des choses qui ne pourront pas fonctionner. Prenez des décisions de personnes terre à terre et avancez. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça serait sympa de laisser des commentaires, que ce soit sur mon Facebook ou autre, pour savoir si ça vous a plu ou si vous préférez les